fixer ses propres traits. Nous avons vu qu'Alberti attribuait l'invention de la peinture à Narcisse, se contemplant dans son miroir d'eau. Mais le premier autoportrait de l'histoire est attribué au grec antique Parrhasios, qui était d'un talent et d'une vanité sans limite, et se serait représenté pourvu des attributs du dieu Hermès. Au Moyen-Âge, la puissance de l'Église et des corporations est telle que les artistes n'ont pas d'autre choix que de peindre discrètement leur visage au sein de portraits collectifs dans un anonymat qui ne durera pas. Ainsi Masaccio, mais je parle au conditionnel, qui serait l'un des apôtres dans l'une de ses fresques à Florence, et Jérôme Bosch, qui se serait représenté dans le panneau de droite du Jardin des Délices. Nous avons vu aussi que Gozzoli s'était glissé, et là c'est une certitude, dans le fameux cortège des mages, chevauchant de concert avec les Médicis, une manière pour lui d'affirmer son appartenance au même monde qu'eux. Une fois de plus, c'est au Quattrocento que s'affirme l'individualité et l'autonomie des artistes. Ainsi Raphaël, qui s'est représenté conversant avec le peintre Sodoma, mais aussi avec Ptolémée et Zoroastre, comme s'il voulait nous alerter sur une destinée régie par les étoiles. Mais c'est bien l'Allemand Dürer qui, avec pas moins de 6 autoportraits à différents âges de sa vie, brise enfin le tabou du miroir, qui sera pour le parmesan le prétexte d'une virtuosité hallucinante avec son autoportrait au miroir convexe. On ne connaît de Léonard que des autoportraits dessinés, mais il se distingue par une pénétration psychologique qui annonce Holbein et bien au-delà Rembrandt. Avec son autoportrait au milieu de sa famille, Titien inaugure une tradition qui fera le bonheur de Rubens, puis la fortune de peintre mineur. En se représentant sans complaisance, toujours plus vieux, toujours plus laid, Rembrandt atteint à l'universel. 60 tableaux, 28 gravures et 16 dessins époustouflants attestent qu'il est le plus grand autoportraitiste de tous les temps. Mais son message humaniste nous touche en plein cœur. Seul, la lumière intérieure est un rempart efficace contre les malheurs de l'existence. De lui-même, Vermeer ne livre qu'une vue de dos, l'artiste s'efface devant son travail et nous révèle son humilité. Velázquez se peint au sein de la famille royale, mais en retrait, avec un visage qui ne dit rien de ses sentiments ou de ses intentions. On connaît bien les autoportraits malicieux, voire joyeux, de Chardin ou de Quentin de la Tour. On connaît moins celui plus vaniteux de Luis Meléndez, nous présentant fièrement une étude on ne peut plus académique. Voilà qui annonce, je passe vite sur Ingres, chez qui l'orgueil tient lieu d'autocritique, ce bon Courbet et ses nombreux autoportraits, dont le fameux « Bonjour, monsieur Courbet », où l'on ne sait si c'est le narcissisme ou l'intention publicitaire qui l'emporte. Corot, Degas, Monet, Cézanne ou Gauguin réduisent leur effigie à un simple élément plastique de leur composition, tandis que Van Gogh, au-delà de ses seuls traits, peint la tension qui l'anime entre désir fou de communiquer et tentation définitive de repli sur soi. Une tension que l'on retrouvera chez Munch, Nold et même Modigliani, ainsi que chez Kokoschka, teintée d'humour toutefois. Devenu un simple prétexte à l'expression plastique avec les fauves puis les cubistes, on aurait pu craindre que l'autoportrait disparaisse corps et biens, mais il durera tant que durera la peinture. Regardez les autoportraits de Francis Bacon, de Lucian Freud ou plus récemment de Jenny Seville. Pour chacun de ces trois grands artistes, le seul thème qui vaille d'être peint est l'être humain, viande, graisse, muscles sous le visage, mais aussi rêve, angoisse, désespoir, nudité absolue de la solitude, dépouillement des sentiments, laideur et beauté sans limite. Oui, l'autoportrait durera tant que durera la peinture, tant que durera la condition humaine.